Well, hello everyone. Excuse me. This is an opportunity for us to grow and some exciting things to happen in terms of changing our lives regarding a biblical perspective on finances. I just want to say welcome to all of those who are coming here for the first time. Bonsoir à tous. Ceci est une bonne opportunité pour chacun d'entre nous de pouvoir grandir dans la parole de Dieu, spécialement en ce qui concerne la discipline financière. Et je reçois chacun d'entre nous, je vous souhaite tous la bienvenue à notre étude biblique ce soir. Welcome back to all of you who have attended these Bible studies before. Bienvenue encore une fois à tous ceux qui, dans les temps passés, ont pu participer à des études bibliques que nous avons projetées autrefois. Let me just say that Pastor Keith Butler created this Bible study because he has a heart for French speakers. J'aimerais dire d'emblée que notre bien-aimé le pasteur Keith Butler a créé ce programme d'études bibliques parce qu'il a un fardeau pour toutes les personnes francophones. Keep in mind that the Bible study is free of charge. Et à l'esprit que l'étude biblique est gratuite. But keep in mind also that if you really truly want to grow, it's important to attend every session. Sachez aussi que pour que vous puissiez vraiment grandir et persévérer dans cette chose, il est important que vous puissiez investir de votre temps et de votre volonté. We will usually send notes ahead of time, but perhaps there may be a session or two when we have not sent notes. So just take notes on your own. Normalement, nous avons l'habitude d'envoyer des notes avant de pouvoir commencer une étude biblique, mais il se peut aussi que pour certaines occasions, nous ne puissions pas vous les envoyer. Et donc, nous vous conseillons de pouvoir prendre note vous-même alors que nous sommes en train d'enseigner. I am Pastor Sanford McQueen and I am on staff at KBM Ministries. Mon nom, c'est le pasteur Sanford McQueen et je suis membre du staff de KBM Ministries. My interpreter is Admirable. That's his first name. Admirable, please introduce yourself and let them know who you are in case they don't. Alors, ce soir, nous serons avec notre interprète, Admirable. Admirable est notre directeur des opérations de tous les pays francophones pour le compte de Keith Butler Ministry. Et ce soir, nous allons tous travailler ensemble par rapport à ce que le Seigneur en réserve pour nous. We'll get started with our teaching in just a few moments. Nous allons commencer avec notre étude dans quelques minutes. Keep in mind that as we go along, you're welcome to ask questions. If you have a question, please jot it down and save it till the end of the study. Gardez aussi à l'esprit que, alors que nous sommes en train d'enseigner, c'est plus que vous puissiez avoir des questions. Nous avons une session dans laquelle nous posons des questions à la fin de l'étude biblique. Veuillez juste vous noter vos questions et nous y répondrons juste à la fin. I am very excited to have this opportunity to teach on this subject because I know of its importance and value. Je suis tellement dans l'enthousiasme de pouvoir enseigner sur ce sujet, tellement que je sais que c'est un sujet très, très important pour chacun d'entre nous. Now, we said earlier that this course, this study is free of financial obligations, but it will cost you something. I want to say a little bit more about that. Alors, nous avons tous dit tout à l'heure que cette étude biblique ne vous coûte pas de l'argent parce que vous ne payez pas pour ça, elle est gratuite. Mais il y a quand même quelque chose qui pourrait être important à ce que vous puissiez investir de votre propre part. Amen. It's important to remember that we're going to be talking about some things that will revolutionize and change your life. Il est très important de vous souvenir que nous serons en train de parler de quelque chose qui a de la valeur dans votre propre vie. So yes, it will cost you something. And what I mean by that is you may have to change some habits, redirect your way of thinking about finances. Et bien sûr, cela vous coûtera quelque chose. Et par là, je veux dire qu'il se peut que vous puissiez rediriger votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon de faire et votre façon d'agir par rapport à votre finance. Amen. Amen. Finances are a very personal thing for us. And in this study, we'll be looking at finances
and how God thinks about them. Les finances sont quelque chose de très important. Et dans cette étude, nous serons en train de voir l'aspect financier et de comment est-ce que Dieu voit les finances. So with that said, let's have a word of prayer and get started. Alors, donc, alors que nous sommes en train de commencer, prions. Heavenly Father, we thank you for this time of coming together. Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps dans lequel nous nous réunissons. I thank you for every person that will attend these studies. Je te dis merci pour chaque personne qui va participer à cette étude biblique. And I pray, Father God, that it will be an enriching and important time for each and every one of them. Et je prie que ce soit un moment enrichissant et très important pour chacun d'entre nous. I pray, dear God, that your idea and your methods concerning money and finances will become clear to all who attend. Je prie, Seigneur éternel, que ta façon de voir en ce qui concerne l'argent et les finances soit claire pour chaque personne en ces lieux. I pray that every person that has a heart to change lives and habits will do so with your strength and power. Je prie que chaque personne qui a la volonté de changer sa façon de faire et ses habitudes en soit capable par la puissance de ton esprit. And we ask you, Holy Spirit, that you would guide us into the truth and wisdom that would be beneficial to every person that attends. Et nous te demandons, Saint-Esprit, que tu puisses nous guider dans la vérité et dans la façon de faire en sorte que nous puissions être capables de faire ce que tu veux que nous fassions. We ask this prayer and submit it by faith, and we thank you for every benefit in Jesus' name. Nous faisons cette prière par la foi et nous croyons qu'elle sera bénéfique pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. So, amen. Amen. So, as we get started, again, I want to encourage you to take notes today. Alors que nous sommes en train de commencer, j'aimerais nous encourager à prendre note ce soir. Even as we introduce this subject and talk about these important principles. Même alors que nous serons en train de pouvoir introduire ce sujet et parler de ces principes importants. Okay, so here we go. Alors, commençons. First off, I want to say to you that every family literally is a small business. J'aimerais nous dire premièrement que chaque famille est littéralement une petite entreprise. Whether you are a family of two or you have a family with many children. Peu importe le nombre de... Amen. God expects us to run our family business with precision and integrity. Are you with me, Admirable? Yes, sir. Okay. So let me repeat that. God expects us to run our family business with precision and integrity. Alors, j'aimerais nous dire que Dieu s'attend à ce que nous gérions les affaires familiales avec précision et intégrité. In this study, we're going to look at some basic principles of financial management from God's perspective. Dans cette étude, nous examinerons quelques principes de base de la gestion financière du point de vue de Dieu. And we say they're basic principles because that's just what they are. There's nothing really a super spiritual about the whole study. Et si ici nous sommes en train de parler des principes de base, c'est parce que c'est ce qu'elles sont en fait. Il n'y a rien de si surnaturel ou très spirituel par rapport à la gestion financière. So let me give you some important things, and Adam would encourage you to write these things down. Alors, j'aimerais vous donner quelques points importants, et j'aimerais nous encourager à pouvoir les noter. These few things are the things that will bring you the most benefit if you will apply these principles. Alors, ces quelques principes que nous allons vous donner seront très bénéfiques pour nous si nous les mettons en pratique. So, we said that the family is a small business, and here's some things that will help run that business well. Alors, nous avons dit que la famille est une petite entreprise. Voici donc quelques principes élémentaires qui vont nous aider à pouvoir diriger bien cette petite entreprise. So, to apply these principles and experience these benefits, you must first
learn to compromise? Alors, pour appliquer ces principes et qui sont fondamentaux, la première des choses, c'est que vous devez apprendre à faire des concessions ou des compromis. That's many times easier said than done. Souvent, ce sont des choses que l'on dit facilement, mais que l'on a du mal à mettre en pratique. I say that because everyone has an idea about how money should be handled, and everyone has an opinion the way money should be spent. Je le dis ainsi parce que je sais que plusieurs personnes ont une idée de comment est-ce que l'argent devrait être géré, et plusieurs aussi ont une idée de comment est-ce qu'elle devrait être dépensée. Okay, so compromise is number one. Number two, it's necessary to agree on shared goals. Alors, le compromis, c'est une chose de très importante. Et la deuxième des choses, c'est nous devons être capables de nous entendre et de nous entendre sur ce que sont nos objectifs. So it's important to come together if you're going to run your small business well. Decide which goals are important and then come to an agreement on how you will reach those goals. Alors, il est très important de se mettre ensemble, de décider quelles sont les choses qui sont importantes ou les objectifs importants, et par la suite, décider de comment vous allez atteindre ces objectifs. So number one is compromise. Number two is agree on shared goals. Number three is apply these principles well, I should say. Alors, la première des choses à faire, c'est avoir des compromis. La deuxième des choses, c'est s'entendre sur les objectifs. Et puis la troisième des choses, c'est appliquer ce que vous avez dit que vous devriez faire. The next important principle is to agree to delay your gratifications. Et une autre chose que nous devons, à laquelle nous devons vraiment nous attacher comme étant principe, c'est s'accorder à ne pas bénéficier maintenant. Yes, amen. Amen. It's very important to delay our gratifications. And let me put that a different way. J'aimerais expliquer ça différemment. Say, for example, you get your paycheck and you see a beautiful pair of shoes that you would like to have. Imaginez par exemple que vous receviez votre chèque, votre paye mensuelle. The goals that you have set financially should take precedence. Et par la suite, vous tombez sur une chaussure qui vous plaît vraiment. Should be more important than having those shoes in that moment. Alors, vous devriez plutôt voir ce qui est beaucoup plus important que d'avoir cette chaussure à cet instant-là. Those shoes may be beautiful. You may have even tried them on and they fit well. Ces chaussures peuvent être belles, vous pouvez les avoir essayées, elles vous conviennent parfaitement. But in moments like that, you should ask yourself the question. Mais pendant de tels moments, il faut vous poser une question. Are these shoes more important than the goals that the family has set? Est-ce que ces chaussures sont plus importantes que l'objectif que la famille s'est fixé? So it's important to delay or to at least be patient to delay and be patient before you buy the shoes. Delay your gratifications. That's what we mean. C'est donc important que vous puissiez retarder ce que vous désirez, que vous puissiez reporter à plus tard ce dont vous avez besoin maintenant afin d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés. So, let me repeat. J'aimerais répéter. If you will apply these principles and enjoy the benefit of this study. Si vous êtes capable d'appliquer ces principes et jouir des bénéfices de cette étude. If your desire is to run your family business well. Si votre désir, c'est de diriger votre famille convenablement. If you desire to have money when you need it and to have a solid financial foundation for your family. Si vous désirez avoir de l'argent quand vous le désirez et vous voulez bâtir votre famille sur des fondations solides. You must learn to compromise, agree on shared goals,
be willing to delay your gratification. Vous devez être capable de faire des compromis, de pouvoir établir des objectifs et aussi être capable de reporter ce que vous désirez maintenant. Then God will get involved in a supernatural way and bless you with financial freedom. Et donc, Dieu, à ce moment-là, va s'immiscer de manière surnaturelle et vous bénir financièrement jusqu'à ce que vous soyez libre sur le plan financier. The materials you'll need for this study is a Bible. Et donc, quelques matériels dont vous aurez besoin pour cette étude sera votre Bible. And something that is optional, you don't have to have this book, but the book Managing the Family Business by Pastor Keith Butler. Vous pouvez aussi lire le livre en anglais Gérer la famille, écrit par le pasteur Keith Butler. I say you don't have to have that book because the entire study is based on the book. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter le livre parce qu'en réalité, l'étude tout entière est basée sur ce livre-là. So let me give you the main goal of the study. J'aimerais donc vous donner les objectifs principaux de cette étude. It would be to study and to explore the scripture. Nous allons donc faire, l'objectif principal est donc d'étudier et d'explorer les Écritures. And learn what the Bible says about finances. Et comprendre ce que la Bible dit concernant les finances. Amen. Amen. The main goal is to learn what God has to say about how we should handle them. L'objectif principal est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire en ce qui concerne la gestion des finances. Amen. Amen. Okay, let me give you another goal of this study. J'aimerais vous donner un autre objectif de cette étude. It is to acknowledge what God is saying about debt and how to live free from the stress and destruction of poverty. C'est aussi d'apprendre et de reconnaître ce que Dieu dit à propos de la dette et comment vivre à l'abri du stress et des destructions de la pauvreté. Next, I want to give you a list of things that we will explore during this time of study. Et donc, je vais aussi nous donner la liste des choses que nous allons explorer dans cette étude. Amen. There are five Amen. Things. Number one, we will explore foundational principles for managing your family finances. Premièrement, nous allons explorer les principes fondamentaux pour la gestion des finances de votre famille. Number two, we will explore God's promise of blessing. Deuxièmement, nous allons explorer la promesse de la bénédiction de Dieu. Number three, we'll explore what it means to own God's priorities for financial management. Alors, numéro 4, nous allons parler de commander votre vie financière. Number 4, we will explore what it takes to order our financial life. Et donc, troisièmement, excusez, nous allons parler de posséder les priorités de Dieu en matière de gestion financière. Quatrièmement, commander votre vie financière. And all of those things are good, but listen to this one. Et toutes ces choses sont bonnes, mais écoutez aussi celui-ci aussi. We will explore the principle of being blessed so that you can be a blessing. Nous allons explorer aussi le principe d'être béni pour être une bénédiction. See, one of the things that's most important to God is that what we are blessed with in terms of material things. L'une des choses qui soit moins important devant Dieu, c'est de savoir de quoi sommes-nous bénis en termes de bénédiction matérielle. Should not just be for ourselves and for our families. Alors, notre bénédiction matérielle ne devrait pas être simplement pour nous-mêmes et notre famille. But God wants us to be so blessed that we are able to be a blessing to others. In other words, to help someone else. Dieu veut
que nous soyons tellement bénis au point que nous atteignons la dimension d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Isn't that wonderful? N'est-ce pas merveilleux? God's idea and his principles of managing money. Les principes de Dieu et sa façon de voir en ce qui concerne la gestion de l'argent, if they are followed well, s'ils sont bien suivis, they are designed to bless the individual that puts those principles in place, as well as their family and anyone else they choose to be a blessing to. Ces principes sont donc établis afin de pouvoir bénir quiconque les met en pratique, non seulement bénir la personne mais sa famille, mais aussi au point où cette personne devient une bénédiction pour d'autres personnes. So let me repeat. Every family is a small business. Répétons donc pour chacun d'entre nous que chaque famille est une petite entreprise. And God has principles in place that will help us run that business well. Et Dieu a des principes mis en place qui vont nous aider à diriger cette entreprise très bien. So let's move forward in our study today. Avançons donc dans notre étude. Admirable, if you would please read 1 Timothy chapter 6, verse number 17. Alors, nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, verset 17. La Bible dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Praise the Lord. This verse is an expression of the will of God. Ce verset est une expression de la volonté de Dieu. It's instruction to those who are rich in this world. Ainsi qu'une instruction à ceux qui sont riches dans ce monde. Praise the Lord for people who are wealthy or, in other words, rich, who help others. Soit nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui sont riches et qui sont capables d'aider d'autres personnes, bien sûr. Amen. But Amen. Do that the way God designed, or should I say, by God's leading, brings great benefit. Alors, le faire selon le modèle de Dieu et selon que Dieu le désire, cela vous apporte des bénéfices. Some Christians think that they should be sad, discouraged, and suffer all the way to the end of their life. Certains chrétiens pensent qu'ils devraient être malheureux, tristes, souffreteux durant tout leur parcours sur ces terres jusqu'à leur mort. Some Christians don't think that God really wants us to be blessed or to be rich. Certains chrétiens pensent que Dieu ne veut pas que nous soyons bénis ou que nous soyons riches. Certainly, Christians deal with tests and trials along the way of our lives. Bien sûr que les chrétiens passent par des moments difficiles, des moments d'épreuve dans leur vie. But the fact of the matter is, God does not want us to be poor and suffer lack. Mais la vérité est que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres et que nous puissions vivre la précarité. Amen. Managing your family business will definitely reduce your ability. Gérer donc les affaires familiales vont une mauvaise gestion de votre famille réduira certainement votre capacité de profiter de la vie. What I meant to say was mismanaging your family business. Exactement, ce que je voulais dire c'est que je répète encore qu'une mauvaise gestion de votre famille réduira certainement votre capacité à profiter de la vie. Will reduce your ability to enjoy life. Cela réduira parfaitement votre capacité à profiter de la vie. To say it differently, to waste money is not a good thing. J'aimerais le dire différemment et clairement. Dépenser inutilement de l'argent n'est pas une bonne chose. Or we could say, to like those shoes that we mentioned a little while ago, we could do that many times over. Par exemple, sur l'exemple des chaussures dont nous avons parlé tout à l'heure, nous pouvons le faire beaucoup de fois. It could be a pair of shoes, a purse, a dress, a car, a house.
Ça pourrait être une paire de chaussures, ça pourrait être une voiture, ça pourrait être une robe, ça pourrait être une maison. Too many times we make financial decisions by what we see and what we like. Plusieurs fois, nous établissons nos décisions financières par rapport à ce que nous voyons et par rapport à ce que nous manquons. But the truth is, sometimes we mismanage money because we like nice things. La vérité aussi, c'est que deux fois, nous tombons dans la mauvaise gestion de l'argent simplement parce que nous aimons des bonnes choses. We mismanage money because we want to live in the moment. I see it, I like it, I want it now. Nous gérons mal de l'argent simplement parce que nous voulons, nous en avons besoin instantanément. Je viens de le voir, ça me plaît et j'en veux maintenant. So again, 1 Timothy 6:17 is a word to those who are wealthy, and in God's mind, wealthy people are wealthy in order to be a blessing to others. Et donc, 1 Timothée chapitre 6 verset 17 concerne les hommes riches. Mais il est important pour nous de savoir que dans la pensée de Dieu, les riches sont riches pour être une bénédiction pour les autres. So we've already covered some very important things. Donc nous avons déjà quand même parlé de choses très importantes. For some of us, and I realize that everyone is not poor, everyone is not middle class, everyone is not rich. Alors, pour certains parmi nous, je viens de le réaliser, tout le monde n'est pas pauvre, tout le monde n'est pas de la classe moyenne, tout le monde n'est pas non plus riche. Yes, everyone is at different financial levels in our lives. Chaque personne, en réalité, a un niveau financier différent dans sa vie. Amen. Amen. And for some of us, this study that we're involved in now, et pour certains parmi nous, alors que nous sommes impliqués dans cette étude maintenant, could very well mean that you'll have to change the way you think about money and the way you handle money. Cela pourrait impliquer et vouloir vraiment dire que vous devez changer votre façon de voir l'argent et changer votre façon de gérer l'argent. And so I recognize that the way we think and handle money boils down to how the kind of habits that we have about money. Alors, cela nous implique et nous amène à croire que la façon dont nous voyons et nous pensons de l'argent dépend de la façon dont nous avons l'habitude de l'utiliser et de le dépenser. If a person is used to buying something because they see it and because they like it and because they have the money in their hand, that means they may have to change their habits. Alors, si une personne a l'habitude d'acheter des choses simplement parce qu'elle les voit, elle lui plaise et qu'elles ont l'argent de pouvoir les acheter, cette personne-là doit, en réalité, en cette période, changer sa façon d'agir. Amen. And habits can be very stubborn. Une habitude peut être très têtue. Amen. 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 So, let's move on in our study today. Avançons donc. Let me give you foundational principle number one. Je vais nous donner des principes fondamentaux, le premier principe fondamental de la gestion des finances de votre famille. If you have Pastor Butler's book, this particular section is found on page 3 through page 15. Si vous avez le livre du pasteur Butler, ce point-ci se retrouve exactement entre la page 3 et la page 15. Amen. Admiral, if you read Amos chapter 3, verse number 3 here. Nous allons donc ouvrir nos Bibles et lire Amos chapitre 3. Nous lirons Amos chapitre 3, verset 3. Amen. One of the first things about successfully operating your family business is that partners must agree on having the same goals. Well, sir, I haven't read Amos yet. Will you just give me a few moments?
Sure. Yes, sir. You said Amos chapter 3, verse 3. All right. All right, almost there. Let me know when you're ready for me to go on. Praise the Lord. While you're looking at that, let me say this. Say, for example, business partners want to open a restaurant. Yeah, sir, sorry. We just had a small technical problem with my internet. Now we are there. Amos chapter 3, verse 3. Mm-hmm. Nous allons lire Amos 3, verset 3. La Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? » Amen. So, yeah. Say, for example, business partners or family members or a husband and wife. Nous donnons un exemple, par exemple, sur deux associés partenaires, deux associés d'affaires, un mari et une femme. They come together and decide that they want to open a business. Alors, ils se mettent ensemble et décident d'ouvrir une affaire, de commencer une affaire. Some immediate questions would be, where will the business be? What kind of business are we going to open? La meilleure question sera, ce sera quoi? L'affaire, où est-ce que nous allons l'établir et quel genre d'affaire allons-nous commencer? How will we put the money together and what will we serve on the menu? Alors, comment nous allons réunir l'argent et les fonds ensemble et qu'est-ce qui sera servi au menu? Amen. There will always be lots of questions that need answers. Il y aura toujours beaucoup de questions qui vont nécessiter des réponses. One person may say, I want the restaurant to be on this side of town. The other may say, no, I want it to be on the other side of town. Si c'est un restaurant que nous commençons, l'une parmi ces personnes pourrait dire, je voudrais que le restaurant soit de ce côté, et l'autre dirait, je voudrais qu'il soit de l'autre côté de la ville. One business partner may think, oh, we want to make shrimp and fish a big item on the menu. Alors, un des partenaires peut dire que je voudrais que nous puissions avoir du poisson au menu. The other business partner may think something differently to be on the menu. L'autre partenaire peut avoir d'autres idées qui puissent être mises au menu. You understand what I'm saying? Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Of course you do. Bien sûr que vous comprenez. What's necessary is the business partners have to agree on the goals that they set. Ce qui est important, c'est que les partenaires doivent s'accorder sur le genre d'affaires et comment est-ce qu'ils doivent mener leur affaire. If they do not agree on set goals, then there will be problems. Si ils ne s'accordent pas sur ce que sont leurs objectifs, il y aura des sérieux problèmes. So once there is an agreement, then the next thing is they can pursue their goals together. Une fois qu'ils sont d'accord, ils peuvent poursuivre ces objectifs ensemble. Even if it's just two people in the business, a husband and a wife. Même si ça peut être deux personnes dans cette affaire, un mari et une femme. Okay, they need to be in agreement. And that's what's in the mind of God concerning finances, agreement. Ils doivent être d'accord. Et c'est cela qui se passe même en termes financiers dans la pensée de Dieu. So when people are working together, they must not only have shared goals, but they must have a same idea of how they will meet their goals. Donc, lorsque les gens travaillent ensemble, ils doivent avoir des objectifs communs, mais aussi ils doivent avoir une méthodologie commune en ce qui concerne comment ils vont atteindre leurs objectifs. We're just giving examples of when people come together share their ideas. Nous venons juste de donner un exemple sur comment les gens viennent ensemble, s'y rassemblent, afin de pouvoir partager leurs idées.
Let's look at this from using a different idea. On peut regarder cela en utilisant une autre idée. Let's say a man and a woman meet and they are attracted to one another. Je donne un exemple d'un homme et d'une femme qui se rencontrent et qui sont attirés l'un à l'autre. One of the first attractions may be. L'une des premières attirances pourrait être. Oh my goodness, this person is handsome, or she is very pretty. Oh mon Dieu, cette personne est belle, ou encore cet homme est beau. Amen. And all of that may be true. Et tout cela peut être vrai, bien sûr. That the first attraction may even be sexual. C'est bien que la première attirance ou la première attraction peut être sexuelle. But a more important level of in that attraction would be communication. Mais le niveau le plus important de cette attirance devrait être la communication. And that's what we're talking about. Communication is very important and it leads to agreement. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. La communication est très importante et c'est cela qui conduit à un accord commun. One of the major problems in marriage is that people stop communicating. Vous savez, un des problèmes majeurs du mariage est que les gens arrêtent de communiquer. Communication is extremely important and we do it in so many ways. La communication est très importante et nous le faisons dans différentes manières. We communicate with our eyes, with our tone of voice, with our bodies. Nous communiquons avec nos yeux, nous communiquons avec le ton de notre voix, nous communiquons avec notre corps. And of course we communicate with our words. Et bien sûr, nous communiquons aussi avec les mots. Communication in marriage becomes a problem because when two partners disagree. Alors, la communication devient un problème dans le mariage lorsque les deux partenaires ne s'entendent pas, ne peuvent pas s'accorder sur une chose. Their emotions become involved, they get upset about things, and they may stop trying to communicate. Leurs émotions s'impliquent, ils sont fatigués d'essayer de changer les choses et donc ils arrêtent de communiquer. Because communication at that point becomes a confrontation. Parce que la communication à ce moment précis devient une confrontation. And so the husband may say, ah, I'm just tired of trying. I've told her this so many times before. Et bien sûr, le mari peut facilement dire et dire, ah, je suis fatigué d'essayer, je l'ai fait plusieurs fois. I don't want to deal with the confrontation about it anymore, so I'm just not going to even talk about it. Je ne veux plus avoir à me disputer sur ça encore une fois parce que je ne veux plus parler de ça. So the point again, from God's perspective, from scripture, that verse that we gave in Amos. Alors, encore une fois, de par l'écriture que nous venons de lire dans Amos 3, verset 3, the basic unit of a family business is two people, a husband and a wife. Les unités fondamentales et principales d'une famille sont deux personnes. D'abord, ça veut dire l'homme et la femme. And so we don't even have to talk about a board members coming together and a business run on a very large scale. Et nous n'avons pas besoin de parler du conseil qui vient après quand, bien sûr, une entreprise est dirigée avec beaucoup de personnes. Communication is important to large businesses or small businesses. Donc, vous comprenez que la communication est importante pour les petites, les grandes et les petites entreprises. Amen. Amen. Praise the Lord. So, communication is important and when it happens well, then we avoid confrontation. Alors, la communication est très importante et si vous êtes capable de bien communiquer, cela va empêcher à ce que vous puissiez tomber dans des disputes ou dans des confrontations. So again, foundational principle number one is communication. Et donc, le principe fondamental que Amen. Nous disons premier, c'est la communication. Yes. So, if you would, please, Admirable, read Philippians chapter 2, verse 3 through 4. Allons donc encore une fois dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit,
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Praise the Lord. Amen. 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 That passage says a lot to us because beaucoup de choses parce que in addition to communication, the second skill in running a business is compromise. Parce que en plus de la communication, la deuxième compétence de la gestion de l'entreprise d'une famille est la capacité de faire des compromis. Compromise is also important whether you're running a large corporation in business or whether it's just the two of you, a husband and wife. Les compromis sont très importantes, qu'il s'agisse des grandes entreprises ou qu'il s'agisse seulement de deux personnes, mari et femme. Let's look at it again from the smallest idea of our family business. Regardons cela encore dans une perspective beaucoup plus petite en ce qui concerne les affaires d'une famille. Compromise is important, and not only is it important, but sometimes it can be a little bit of work. Les compromis sont importants, c'est bien d'en faire. Cependant, ça arrive aussi qu'à certains moments, ce soit beaucoup de travail à faire. Amen. Compromise happens after communication. Alors, les compromis viennent après la communication. Amen. So, after you've come together and you've set goals and then you've come up with ways that you can meet your goals, it's important to compromise along the way. Lorsque vous venez ensemble, vous établissez des objectifs et que vous puissiez établir des stratégies pour comment est-ce que vous allez atteindre ces objectifs, il est aussi important de prendre des compromis et faire des compromis. Those of you who've been married can agree to this. Pour ceux qui sont déjà mariés en ces lieux peuvent être d'accord avec moi. The habit of learning to compromise comes with a price. L'habitude d'apprendre à vous compromettre vient souvent avec un prix. If married people are only thinking about themselves, what they want individually, and not compromising, it's going to cause problems. Lorsque des personnes mariées ne pensent qu'à eux-mêmes, sans pour autant établir des compromis, cela va causer des problèmes. If there is anyone in class today that is single, s'il y a quelqu'un en classe aujourd'hui qui soit célibataire, okay, if you're not married, it's still important that communication and compromise, amen, is our two basic principles that you need to be involved in. Si vous n'êtes pas encore marié ou que vous êtes marié, il est très important pour vous de savoir que la communication et les compromis sont très importants. It's important to know or to learn about the person that you are dating, your boyfriend or your girlfriend, whether they have good communication skills or if they're willing to compromise. C'est important de savoir sur votre fiancé ou votre partenaire si cette personne a des capacités de compromettre et des capacités d'avoir de la communication. Even more than that, it's important that you learn if these principles are in place before you say the words, I love you. Il est même très important pour vous de savoir si ces principes sont déjà établis dans la vie de cette personne avant même de prononcer cette phrase si capitale et importante, je t'aime. After you fall in love, common sense has a way of disappearing. Alors, vous savez que lorsque vous tombez amoureux, le bon sens a comme l'habitude de disparaître. Because your emotions are involved, you say, oh, he's just so handsome, or oh, she's just so beautiful, I've got to have her. Parce que lorsque vos émotions sont impliquées, vous êtes là à ne voir que la beauté de la personne, l'aspect physique de la personne. So if even if a single people don't come to understand early in the relationship that communication and compromise are things that
that are present in their boyfriend or girlfriend, they're asking for trouble. Alors, lorsque les personnes célibataires ne sont pas capables de pouvoir détecter cet aspect-là de la communication des compromis dans leur fiancé ou dans leur partenaire, leur petit ami, ça sera très difficile pour eux de pouvoir vivre une bonne relation. Amen. So let me back repeat. J'aimerais répéter encore une fois. And again, if you have any questions, you feel free to write them down and we'll give you an opportunity to ask them at the end of class today. Alors, si vous avez encore une question, je rappelle, veuillez noter cela et vous pouvez nous envoyer déjà dans le chat la question et nous serons ravis d'y répondre à la fin de cette étude. Amen. So, foundational principles for managing our family finances are very important. Alors, les principes fondamentaux de base afin de pouvoir gérer notre famille sont très importants. Yes. So keep in mind that we could be talking about business or we could be talking about a family. A family is a small business. Alors, comprenez que nous pourrions être en train de parler d'une entreprise ou bien sûr d'une famille. La famille est une petite entreprise. Amen. Amen. Keep in mind, I understand that while we're talking about some very simple things, communicating and compromising, retenez aussi que pendant que j'étais en train d'enseigner, j'ai parlé des petites choses importantes comme par exemple la communication, les compromis. Those two simple things can become very difficult to do. Ces deux petites choses peuvent être des choses très difficiles à réaliser, à accomplir. I have been married for almost 48 years and I am still growing in the area of communication and compromising with my wife. Ça fait presque 40 ans que je suis marié. Cependant, je suis toujours en train de grandir en ce qui concerne la communication et les compromis avec ma femme. Marriage is a habitual compromise. In other words, we have to learn. How can I say this differently? Compromise is important all along the road of your marriage. Alors, j'aimerais le dire de cette façon. Les compromis sont très importants pendant tout le périple ou le voyage de votre mariage. Even for large businesses and corporations, compromise is very important. Même pour les grandes entreprises et les grandes corporations, les compromis sont très importants. So these things may sound simple, but they can be very costly. In other words, you may have to work to enjoy them. Alors, ces phrases peuvent paraître très simples, mais lorsqu'on doit les mettre en pratique, cela peut être très difficile à réaliser. Cependant, vous devez travailler dessus afin de pouvoir en jouir. Amen. So we're still talking about foundational principle number one. A is communication, B is compromise. Now let's take a look at C. Alors, premièrement, nous avons parlé de la communication. Deuxièmement, nous avons parlé de des compromis. Et puis, troisièmement, nous avons dit c'est quoi. Nous allons parler du point C. Amen. Admirable, if you read for us now, James chapter 1, verse 22 through 25. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. So, amen. Under foundational principles number one, letter C is knowing and doing. Alors que nous sommes en train de parler des principes fondamentaux de la gestion de la famille, le point C, c'est le savoir et le faire. One of my mom's favorite sayings is,
plan your work and work your plan. Une des phrases favorites de ma mère, c'est planifie ton travail et travaille ton plan. Our plans can be very well laid out. Nos plans peuvent être bien établis. But after communication and compromise and putting plans together, mais après la communication, les compromis et après avoir établi les objectifs ensemble, it's very important to do the work. C'est très important de faire le travail. Très important is very right. Très important, c'est le mot qu'il faut. It's very important, not just to know what to do, but to actually put your hands to do the work. Donc, il ne s'agit pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, mais de mettre en pratique ce qu'on sait qu'on doit faire. Adjust your way of thinking so that you can do the work. Ajustez votre façon de penser, ainsi vous serez capable de faire ce que vous devez faire. Be willing to communicate, and sometimes communication is work. Soyez, ayez la volonté de communiquer, et deux fois la communication, c'est tout un travail. Amen. It does not matter if you marry someone rich, poor. Cela ne dépend pas. Il ne s'agit pas ici d'être marié à un homme riche ou à un homme pauvre. Or if you marry someone on the recommendation of Jesus Christ himself and all his splendor and glory. Même si la personne que vous avez épousée, vous l'avez épousée sous la recommandation de Jésus-Christ lui-même avec toute la splendeur et sa gloire. You will still have to do the work to have a successful marriage or a successful business. Sachez toujours que malgré ça, vous devez toujours travailler quand vous vous mariez afin que vous puissiez avoir un mariage qui réussisse. And actually, my friends and brothers, both of them require the same. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, que tous les deux cas, demandent la même chose. When a married couple or a business stop doing the work that's necessary for the success of the marriage and the business, then failure begins to set in. Alors, si, que ce soit dans une entreprise ou dans un mariage, lorsque l'un des partenaires arrête de faire le travail qu'il faut afin de pouvoir faire réussir l'entreprise, c'est là que maintenant la peur commence à s'immiscer et les problèmes. And again, for those of you who are single, there is no reason to make a commitment to a lazy person. Et pour tous ceux qui sont encore célibataires, j'aimerais vous dire que vous n'avez aucune raison de vous engager avec un partenaire paresseux. If you commit yourself to a lazy a partner, you will pay for that many times over. Parce que si vous vous engagez à un partenaire paresseux, vous aurez à payer cher votre décision. Amen. Amen. So, let me move on just a little bit now to talk about knowing and doing. This is letter C. Alors, parlons, continuons encore à explorer ce point que nous sommes en train de, sur lequel nous parlons maintenant, qui est savoir et faire. I realize you don't have any notes today, so let me back up one more time and repeat. Je réalise que vous n'avez pas des notes aujourd'hui, donc permettez-moi de reculer encore une fois et puis répéter. The first foundational principle for a successful business. Le premier principe fondamental pour une entreprise florissante requires communication, compromise, and knowing and doing. Demande la communication, les compromis, ainsi que le savoir et le faire. So whether you're running a large business or a small family business, the same things are necessary for success. Et donc, que vous soyez en train de diriger une grande entreprise ou une petite entreprise, les deux sont importants pour le succès d'une affaire. You have to set the goals. Vous devez établir les principes. Establish how you're going to reach your goals. Donc, établir les objectifs et puis établir comment est-ce que vous allez atteindre ces objectifs. Hein? And that's what we're talking about here today. Et c'est de ce de quoi nous sommes en train de parler aujourd'hui.
I would encourage you in setting your goals. The Bible talks about write the vision and make it plain. J'aimerais vous encourager pendant que vous êtes en train d'établir vos objectifs, comme la Bible le dit, écris la vision. Your goal should be simple and easy to understand. Votre objectif devait être simple et facile à comprendre. I know some people who will put together what is referred to as a vision board. Je connais certaines personnes qui font ce qu'on appelle un tableau d'objectifs. They will literally take a large piece of cardboard or paper or something that they can attach things to. Ils prendront littéralement un gros tableau ou une planche sur laquelle ils pourront coller des choses dessus. And they will put things on their vision board. We want to travel, we want to own a house, we want to own a business, and so on. Et ils vont mettre ça quelque part sur lequel ils écrivent expressément, nous voulons voyager, nous voulons acheter une maison, nous voulons faire ceci, peu importe ce que c'est que leur objectif. And then once the vision for the business is established, then we have to come up with, okay, how are we going to make it happen? Et une fois que la vision est établie, nous allons venir avec cet aspect de savoir, okay, comment cela va se faire? And then in that process, it's necessary to talk about it, it's necessary to compromise to make it happen, and then it's necessary not to just know what's on the vision board, but be willing to do the work, to do your part to make it happen. Et donc, dans ce procédé, il est très important non seulement d'en parler, mais aussi de faire des compromis. Et non seulement faire des compromis, mais aussi de savoir qu'est-ce que nous devons faire et avoir la volonté d'y travailler. OK. Right. So remember that marriage is work just like a small business. Souvenez-vous et n'oubliez pas que le mariage est tout à fait nécessaire du travail comme si c'était une petite entreprise. And remember, we're talking about doing some simple things, but at the same time, these simple things can change your life completely. Alors, souvenez-vous que nous sommes en train de parler des petites choses, mais en même temps, ces petites choses peuvent changer votre vie complètement. But yet, we're talking about simple things that may require you to change habits, change the way you think, and change the way you act. Mais encore, nous sommes en train de parler des petites choses qui peuvent demander à ce que vous puissiez changer votre façon de penser, vos habitudes et votre façon d'agir. But the bottom line is, you've set some goals for your family and for your business, and you have determined that they are worth the effort that it will take to make it happen. Alors, les plus importants dans tout ça, c'est que vous puissiez établir des objectifs pour votre famille et que vous puissiez définir comment vous devez les atteindre, mais aussi que vous ayez la volonté de faire tout ce qu'il faut afin de pouvoir atteindre ces objectifs. So we're just getting started here, and I would encourage you, as I did earlier, to attend every session, every study. Alors, nous venons à peine de commencer aujourd'hui, mais je vous encouragerai quand même de pouvoir participer à chaque session, à chaque étude biblique que nous aurons. Let's remember that this study is to help us understand the way God thinks. Souvenez-vous encore une fois que cette étude est là pour vous aider à comprendre la façon de penser de Dieu. The way God thinks about money. Exactement, qu'est-ce que Dieu pense concernant l'argent? Remember that we have help available to us, blessing available to us when we handle our money the way God has designed. Souvenez-vous que nous aurons toujours de l'aide qui vient, de l'aide disponible pour nous lorsque nous mettons en pratique les principes que Dieu établit de la façon dont il veut que nous gérions l'argent. So when a person wants to get God involved in their finances, this is the way to do it. Alors, la façon dont vous voulez que Dieu puisse s'occuper de vos finances dépend aussi de comment est-ce que vous mettez en pratique les principes qu'il a lui-même établis. And I want to remind you of some very good news here. J'aimerais quand même vous rappeler quelques bonnes nouvelles ici. When we do things financially
the way God has designed, we invite him to get involved in our finances. Lorsque nous faisons les choses financièrement de la manière dont Dieu les a établies, nous sommes, pour ainsi dire, en train d'inviter Dieu de venir s'immiscer dans nos finances et de nous aider dans ça. When we understand and practice these principles, God will, he's promised to do it. He has given us his word that he will get involved and bring us to a place of financial freedom and blessing. Lorsque nous comprenons et mettons en pratique ces choses, Dieu nous a déjà promis dans sa parole qu'il va mettre à notre disposition ses bénédictions financières afin de pouvoir nous aider à accomplir ce que nous faisons. And my friend, that is very good news. Et bien aimé, ceci est une très bonne nouvelle. So keep that in mind. We're not only interested in learning what God thinks about finances. Alors, nous ne sommes pas simplement en train d'intercéder ou de parler de comment est-ce que Dieu pense sur nos finances. But when we line up our way of thinking and acting with what is in the mind of God, then God gets involved and helps us. Alors, lorsque nous mettons en pratique et nous faisons exactement ce que Dieu veut que l'on fasse avec nos finances, Dieu s'implique personnellement. And he makes himself available to help us all along the way. Let's think about those shoes again for a moment. Et il met à disposition de l'aide afin que nous puissions être aidés pendant tout notre parcours. J'aimerais qu'on puisse encore reprendre notre exemple des chaussures. You may be standing there looking at the shoes and desiring the shoes. That's a good time to say a prayer to the Lord and say, Lord, I've got some good goals set in mind. Help me to say no to these shoes. Alors, vous pouvez être là et vous voyez des chaussures, ces chaussures qui vous plaisent et vous savez que vous en avez vraiment besoin. C'est le moment idéal pour vous de prier et dire, Seigneur, j'ai besoin de ces chaussures, mais aide-moi à m'en passer en sorte que je puisse garder en tête l'objectif que je me suis établi. Same thing with running a large business with many employees. At any moment, you can invite God to get involved. Lord, give me the wisdom that I need to make the right decisions. Cela s'applique aussi avec ceux qui dirigent des grandes entreprises. Vous pouvez vous dire, Seigneur, donne-moi la sagesse qu'il faut afin que je puisse bien diriger cette entreprise et prendre les bonnes décisions. Okay, so that's we're going to bring our study to a conclusion today. Voilà ainsi comment nous allons conclure notre étude biblique ce soir. Amen. We want to just take a moment here and reflect on some of the things that we've talked about. I want to give you an opportunity. Oh, what did I do? I don't see my face anymore. There we go. Okay, I want to give you an opportunity to ask some questions, should you desire to do that. I'm looking in the chat here, and I've noticed that there's not really been any questions asked. So I'm going to pause just for a moment or two in case you want to wrap up note-taking and insert a question here in the comment section. Alors, nous allons avoir le temps de répondre à quelques questions. Et je vois que vous avez déjà posé certaines questions. Et pour ceux qui ont aussi d'autres questions, nous allons y répondre. Okay, but before we do our questions, I want to give you an opportunity to give because there are several people who have a heart to give. We did mention that the course, the study itself, has no financial obligation. You don't have to, you're not obligated to pay anything. You're welcome to come and we encourage you to do that. Alors, avant que nous puissions répondre aux questions, j'aimerais donner l'occasion à chacun d'entre nous de pouvoir préparer son offrande. Souvenez-vous que nous ne faisons pas payer pour cette étude biblique, mais nous donnons toujours une opportunité à chacun d'entre nous de pouvoir offrir au Seigneur. Amen. However, we also know that there are several people who have a heart and a desire to give. Alors, nous savons toujours qu'il y a certaines personnes qui ont à cœur et qui ont ce désir là de pouvoir offrir à Dieu. Amen. And so I want to mention a passage in the Bible in the book of Luke, chapter number 6. J'aimerais lire un passage dans la Bible dans le livre de Luc, chapitre 6. Amen. Let me just look that up for you so that I can read it real quick. As a matter of fact, no. Would you please look up Luke chapter 6, verse number 38?
OK. Luc, chapitre 6, verset 38. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Now, you Amen. Know, did you read Luke 6:38? Yes, sir. Amen. I had to ask because I didn't really understand what you said. Okay. And the scripture says, amen. And again, this is talking about what's in the mind of God, how he's designed to bless us. And it says, if you give, it'll be given unto you. Most of the time people think, you know, I don't have this much money. I don't really have anything to give. You know, I've even known people who've come to a particular service or study like this, and they truly did not have much to give. And they put a pencil in the offering or what have you. You know, you don't have that opportunity to do that because we're not physically coming together. Amen. But if you desire to give, but you have very little, begin. This is a good place to live. Not to live. Yeah, it's a good place. It's a good way to live. Alors, beaucoup de gens, cette écriture que nous venons de lire ici est en train de parler de la façon de penser de Dieu concernant les finances. Et plusieurs fois parmi nous, nous nous posons des questions. Est-ce que j'ai quelque chose à donner ou qu'est-ce que j'ai entre mes mains pour pouvoir offrir? Et donc, cette écriture nous montre clairement que le Seigneur nous donne toujours une opportunité de pouvoir donner. Amen. So, Amen. A good way to start working these principles, even if you have just a little bit to give, be willing to give. Alors, une manière plus pratique et plus simple de pouvoir commencer avec les principes que nous avons enseignés, c'est de ne pas forcément de se demander qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas, mais plutôt d'avoir la volonté de pouvoir donner, même avec le peu que nous avons. Amen. The information is there in the chat. Would you please tell them what that is? Alors, si vous voulez offrir, voici, vous pouvez aller sur www.etudesbibliquesqbm.com et vous pouvez cliquer sur « Donate ». Et là, vous suivrez les instructions. OK. Praise the Lord. So let's pray just for a moment. Prions. Father, we thank you for this opportunity to have a better understanding of what's in your mind about money. Merci Seigneur éternel pour cette opportunité que tu nous donnes d'avoir une compréhension beaucoup plus parfaite en ce qui concerne comment nous devons gérer nos finances. And as we take this opportunity to walk according to what your design is. Et merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de marcher selon que tes désirs sont. And we thank you for the blessing on each giver, no matter how small or great. Merci Seigneur éternel pour la bénédiction que tu donnes et que tu pourvois pour chaque personne qui donne en ces lieux, peu importe que son don soit petit ou grand. And as we do, we thank you even in advance for operating your principles as we get engaged. Et merci Seigneur éternel Dieu, alors que nous sommes en train d'offrir, nous croyons fermement que tu envoies ta bénédiction afin de pouvoir nous soutenir dans l'opération, dans la pratique de ces principes que tu nous as donnés pour les finances. We thank you for your blessing. Merci Seigneur pour ta bénédiction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. So we have a couple of questions here that I'd like to address. And one of them says, let me put my glasses on. Yes, I believe I've sent you one of them. It mm-hmm. says, what is to compromise? Can you give us an example in life? Yes, a compromise is when two people have a discussion about a topic. Alors, pour répondre à la question qui nous a été posée, qu'est-ce qu'un compromis, pouvez-vous donner un exemple dans la vie quotidienne? Un compromis, c'est lorsque deux personnes viennent ensemble et sont en train de discuter sur quelque chose. And they have different ways of how that thing can come to pass. Et ils ont deux points de vue différents de comment est-ce que cette chose-là devait être faite. A simple way that we can say that is, remember the illustration that we used about two people coming together to start a business.
Alors, la simple façon dont on peut expliquer cela, c'est, vous vous souvenez de l'exemple que nous vous avons donné de deux personnes qui se mettent ensemble pour monter une affaire? One person says, I want the business to be on the west side of town. The other person says, I want the business to be on the east side of town. Alors, l'une des deux personnes dit, je veux que l'affaire soit montée à l'est de la ville, mais l'autre dit, moi, je veux que l'affaire soit montée à l'ouest de la ville. The compromise would be the decision to put the restaurant somewhere close to the west side and the east side. Le compromis serait donc que les deux parties conviennent à mettre leur restaurant à un endroit près de l'est et près de l'ouest. So in other words, a compromise would be a way to reach the goal together. Alors, le compromis serait donc une façon d'atteindre l'objectif ensemble. Okay. Did I answer your question? Yes, sir. Okay. All right. Very good. Was that the only question that we had? No, we have a second one. Okay. Nous avons une, I'm going to read it in French first and then interpret it to you. Thank you. Nous avons une deuxième question ici. Qu'est-ce qu'il faut faire si la femme ou l'homme veut à tout moment qu'on retienne son idée? The translation would be, what should we do when the husband or the wife wants at all costs that his idea be put first, like he wants what he thinks or his idea to be put into practice. In other words, the question is, what must be done to when a person refuses to compromise? Yeah. Okay. I think a good way to answer that question would be to start talking about the importance or the value of the decision. Alors, la meilleure façon de pouvoir répondre à cette question et de pouvoir agir à cela, c'est que nous devons plus mettre la valeur sur la décision. First of all, the decision, and that's the point that we begin at, the decision brings benefit no matter which way you approach it. Alors, sachez que la décision va toujours apporter un bénéfice, peu importe la façon dont vous l'abordez. This is where communication is important. Voilà pourquoi la communication est très importante. So you've established a goal. Alors, vous établissez un objectif. And the reason you establish that goal is because you believe that that goal is important and beneficial. Et la raison pour laquelle vous établissez cet objectif, c'est parce que vous savez que l'objectif est important et bénéfique. So you start talking about the different ways that you look at it and but with the idea in mind that you want to enjoy the benefit of the decision. Alors, vous commencez à voir, à peser les différentes façons dont vous voyez la chose, mais aussi l'idée principale selon laquelle en quoi cet objectif-là vous sera bénéfique. So you talk about the benefits of the decision. Donc, parlez donc plus du bénéfice de la décision. And you weigh the importance of that decision. Alors, vous voyez aussi les voies possibles et l'importance même de cette décision. And you pray, if you're a believer, and believe that the benefit will be the thing that both of you will come to agreement on. Et vous priez ensemble et vous croyez fermement dans la prière que cet objectif sera bénéfique pour vous deux. So the benefit and the truth should be the guide for the compromise. Alors, le bénéfice de chacun d'entre vous, de ces deux parties, doit être le guide pour le compromis. Now, I understand that we don't, as individuals, have the power to change another person. Et je comprends aussi qu'en tant qu'individu, nous n'avons pas le pouvoir de changer l'autre. And so our prayer is that the truth and the benefit of the decision
will help that person compromise. Et donc, la prière, c'est que la vérité sur le bénéfice de chacun d'entre vous, le profit que vous en tirez, sera la façon ou la voie qui permettra à l'autre de pouvoir faire un compromis. Amen. Amen. All right, there is, I believe, a last question. I'm going to read it in English, in French first, and then read it in English for you, sir. Okay. Voilà, nous avons une autre question ici. Voilà la question. Bonsoir, pasteur, et merci pour cette étude sur les finances. Ne pensez-vous pas que ce sujet est un sujet très sensible dans une relation, surtout au début? L'autre peut te traiter de matérialiste ou méfiant, surtout aux réalités en Afrique. Well, this is the question. Hello, pastor. Good evening, pastor, and thank you for this study on finances. Don't you think the subject is very, very sensitive in a relationship, especially when it's in its beginning? Do I think that this information is sensitive in the beginning? Yeah, I'm not done yet. Uh-huh. And it says, one may think the other is materialistic and may be careful, especially here in Africa. So basically, he's asking if you don't think that talking about finances in the beginning of a relationship may not cause one to think he's interested more in my money, no, not in myself. And this person is asking in the perspective of Africa. I'm not real familiar with an African mindset about money. Je ne suis pas très accoutumé à la façon de voir les choses sur l'Afrique. Okay. And I do understand that it's sensitive, and if you're talking to someone about money early in a relationship, how they could think that. Please, may you repeat this one? Yes. Let me show it. I understand how you could think that a person would be more interested in your money than you as an individual. Je comprends parfaitement que vous puissiez, quelqu'un puisse penser que vous êtes plus intéressé à son argent qu'à lui-même. However, it is important that that subject is visited, that you talk about money. Mais c'est très important que vous puissiez parler de ce sujet, que vous puissiez parler de l'aspect financier. Especially if you see that that relationship is growing. Et spécialement, surtout lorsque vous remarquez que la relation devient de plus en plus sérieuse. Because sooner or later, you're going to have to talk about money. Parce que tôt ou tard, vous auriez à aborder le sujet des finances. Are we good? Yes, sir. All right. Wonderful. At this point, we're going to unhook, for this afternoon. And we certainly do want to invite you back again to this study next week. Alors, merci beaucoup. À ce point, si nous sommes en train de clôturer sur cette étude biblique, cependant, nous allons vous inviter encore une fois à pouvoir participer le mardi prochain. For those of you who have taken notes, please review your notes and think about them, pray about them even before we meet again. Alors, pour tous ceux qui ont pris des notes, nous vous prions s'il vous plaît de pouvoir les étudier encore une fois et prier par rapport à ça, et jusqu'à ce que nous puissions nous revoir la fois prochaine. So until we meet again, may God bless and keep every one of you. Alors d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Sir, I believe we haven't given
the announcement concerning Dieu TV, Max TV, and Pastor Debra's Butler Show, and also, yeah. All right, would you do that for us, please? Let me just go to the email where we spoke about it. Yeah, just a few moments. Avant que nous puissions clôturer, mes bien-aimés, permettez-nous de vous donner quelques annonces concernant notre ministère. Nous rappelons à chacun d'entre nous que cet enseignement est disponible sur notre plateforme études bibliques kbm.com ou tout comme vous pouvez aller sur votre sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, sur laquelle vous allez suivre la diffusion de cette étude. Et bien sûr, si vous avez Dieu TV ou Max TV, notre programme intitulé Live Your Faith sera diffusé ce soir à 10h du soir. Et rassurez-vous de pouvoir suivre, parce que notre bien-aimé, le révérend Keith Butler, sera en train d'enseigner. Et bien sûr, nous avons aussi un programme dédié aux femmes avec le pasteur Deborah Butler, qui s'appelle Woman to Woman, de femme à femme. Ce sera un talk show qui pourra être suivi aussi sur Dieu TV chaque premier mercredi du mois à 20h du soir. Et nous allons lancer notre école ministérielle, l'école de ministère Pistis, Pistis School of Ministry, l'école de ministère Pistis. Et cette fois-ci, ce sera en français le mois prochain. Si vous croyez que vous êtes appelé à plein temps dans le ministère, vous êtes un pasteur, évangéliste, enseignant ou docteur de la parole, ou encore apôtre, prophète, ou encore vous performez des services administratifs dans votre église, vous êtes chanteur, vous êtes leader, vous êtes dans quelques départements que ce soit, ou peut-être engagé dans la mission, nous vous recommandons de prier là-dessus et de pouvoir vous inscrire et prendre votre inscription pour l'école de ministère. Ce sera un programme de 2 ans et nous allons commencer à nous rencontrer 4 fois par semaine, et ce sera le soir. Donc, si vous êtes intéressé à pouvoir prendre cette inscription à notre étude biblique ou que vous connaissiez quelqu'un qui soit intéressé à cela, vous pouvez nous envoyer un email sur info.fr@pistis.cc. Je répète, info.fr@pistis.cc. Ou encore, vous pouvez visiter notre site web, études bibliques, KBM ou encore kitbattler.com. Et là, vous allez voir toutes les informations possibles. Oui, Adam. Amen. Amen. All right, everyone. We are so happy that you made the decision to join us today. Please join us again next week, and we'll continue this exciting step. All right? Abondamment, béni de vous avoir eu ce soir. Et nous nous retrouvons encore le mardi prochain pour une autre session. Et nous serons bénis. Bonne soirée à tous. Bye-bye, everyone.